Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du grattage. Sur la première partie, il n'y avait pas beaucoup de gains, donc on espère qu'on va en avoir plus ici. Le 25, le 14, le 32, le 36. 25, 14, 32, 36, non. Le 9, est-ce qu'on va avoir quelque chose supérieur au 9? Non. Ici, il faut qu'on fasse 7 avec les 2 dés. Là, ça fait 10. Est-ce qu'on va avoir 3 symboles identiques? Peut-être une chance ici en haut? Et non. Et le bonus, oui, un gain, 3 euros ici. Le 1, le 11, le 29 et le 30. Ça perd. 1, 11, 29, 30. Je suis peut-être allé un petit... Je suis allé un petit peu vite. Non, ben non, je ne suis pas allé vite. Donc là, il nous faudrait un as. Ici, il faut que les dés fassent 7. Donc il nous faut un 1. C'est perdant. Et là, en bas, il nous faut 3 fois le même symbole. On ne les a pas. Et là, 0. Alors, 13, 35 et 18. Non. La banque, 10. Ça perd. Le 1, il nous faudra un 6. Non. Ici, est-ce qu'on va avoir 3 fois le même symbole? Non plus. 0. 26, 21, le 8 et le 1. 26, 21, 8 et 1. C'est perdant. La banque, la dame. Ah, le roi. Ben ça y est, on gagne enfin sur cette partie. Donc, où est le gain? 3 euros. 6 et 1. Non, il nous faudra 2 fois ici au minimum. Peut-être là-haut avec les cerises, oui. Ça va être 3 euros, voilà, pour faire 6. Et le bonus, il va être à 0. Un ticket gagnant à 6 euros. Le 5, le 28, le 17 et le 32. 5, 28, 17, 32. Ça perd. La banque, 5. Ça perd aussi. Le bonus, 0. Ici, est-ce qu'on va avoir 2 fois le même symbole? Non. Et le dé, il nous faudra un 4. Et non. 23, 33, 35, 20. 23, 33, 35, 20, perdant. La dame, roi ou as? Non. Ici, 3, donc il nous faudrait 4. 2 symboles, ce qui n'est pas le cas, et 0. Ça perd. 22, 16, 29, 30. 22, 16, 29, 30, perdant. Le 5, perdant. Le 2, ici, il nous faudrait un 5, non. Ici, ça perd aussi. Et là, ça perd. perdant. Le 10, ça perd aussi. Le 4, ici, il faudrait un 3, non. Ici, on n'a pas deux fois le même symbole et le bonus, c'est 0. Alors, 14, 20, 11 et 26. 14, 11, 20, 26, perdant. Le 6, perdant. Le 4 et le 5, perdant. Ici, pas deux fois le même et le bonus est à 0. Hop, un peu de ménage. Ils sont terribles, hein, ces carnets de la FDJ. 31, 1, 8 et 18. 31, 8 et 18. Mais bon, après, forcément, quand on vend des tickets à 3 euros, il ne faut pas s'attendre non plus à énormément de gains. Le 2 et le 6, ça fait pas 7. Pour mon prochain carnet de la FDJ, je vais prendre un carnet à, où les tickets seront à 5 ou plus, si là, je ne sais plus. 0. Perdant. Perdant. Le 5. Perdant. Ici, il faudrait un 2, non. Ici. Non plus.
et le bonus 0. Et celui-là, je le fais sans parler. Un ticket perdant. Le 24. Alors, non, c'est pas le 24, c'est le 14. 14, 20, 21, 26. 14, 20, 21, 26. 14, 20, 21, 26. Perdant. Le 8, est-ce qu'on va avoir plus que 8? Non. Le 1 et le 5, ça fait 6. Ici. Peut-être la dernière ligne avec les diamants, oui. Et un gain de 6 euros. Et le bonus est à 0. Comme d'habitude, hein, sur les tickets, je ne sais pas trop à quel montant va être le compteur ici. Mais c'est comme d'habitude sur les tickets FDJ où si on trouve pas vraiment, si on tombe pas sur des gros lots, mais il n'y a quasiment aucune chance de gagner plus que la valeur du carnet. Le 11, le 31, le 16 et le 2. Perdant. Le 10. Est-ce qu'on va avoir un valet, une dame, un roi ou un as? Non. Le 3 et le 5. Ici, ça perd. Ça perd aussi. Le 26, le 29, le 7 et le 23. Non. La banque. Non. Ici, le 6 et le 4, ça fait pas 7. Là, est-ce qu'on va avoir deux numéros pareil? Non, et le bonus, 0. Allez, je commence à droite cette fois. Le 1, le 2. Non. 6, 7, 30, 29. 6, 7, 30, 29, c'est perdant. Ça, c'est quoi? Pour être sûr, 24, ouais. Valet, ça perd. Le 22, le 25, le 10 et le 17. 22, 25, 10, 17. Perdant. Le roi. Ici, on a un 2, donc il nous faudrait un 5. Là, ça perd. Et là, il est où? Il est où? Il est où? Il est perdant. Perdant. La banque est à 10. Il nous faut plus que 10. On les a pas. Le 3, il nous faut un 4. Ici, non plus. Et ils sont déprimants ces tickets. Il y a vraiment très peu de gains. Et quand on gagne, c'est vraiment des très, très petits gains. C'est un peu la différence avec les tickets américains. Alors, les tickets américains sont beaucoup plus chers à acheter. Vous avez des tickets à 10, 15, 20, 30, 50, même 100 dollars. Et par contre, les gains, vous gagnez plus souvent. Et les gains sont beaucoup plus grands que 3 dollars, 6 dollars ou quelque chose comme ça. Mais bon, au final, le ticket coûte plus cher aussi. Et le bonus, le 0. Et c'est parti pour ce ticket. Après, si ça se trouve, je vous dis ça, et dans deux grattages, ben, je vais gagner combien on peut gagner, les 50 000. Bien entendu, c'est l'objectif de cette chaîne, de toucher des gros lots. Pour le moment, on n'en a pas encore eu. Ici, on a peut-être une chance avec le 7, 8. Allez, ce serait beau que les 50 000 soient là. Et non, 3 euros. Thank you.
On ne désespère pas, ça viendra un jour et ce sera en vidéo sur la chaîne. Ici, ça perd le 9. Et non. Le 1, il nous faut un 6. Non. Ici, non plus. Et le bonus, 0. On arrive sur la fin du paquet. Encore quelques tickets à gratter. 34, 14, 24, 8. 34, 14, 24, 8. Le 8, ça perd. Le 4, il nous faut un 3. Ici, est-ce qu'on va avoir deux symboles au moins? Non. Et le bonus, 0. à 30. 26 de 28. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez m'estiquer ou pas. Moi, au final, je trouve qu'il est... même à gratter, il est pas très... C'est pas très fun, en fait. Une fois qu'on en a fait un, bah après, c'est toujours... c'est toujours pareil. Donc 6 et 7, non. Ici, on a une chance ici avec les cerises. Eh bien non, c'est perdant. Et là, c'est perdant aussi. 7, 26, 18, 28. Je pense que le problème, c'est qu'il mélange en fait tous les styles. Les symboles, les dés, les bonus. Il devrait faire un jeu plein que avec... un élément. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tiens, le 26, ça fait 6 euros. La dame, non. 6, il nous faut un 1. Ici, est-ce qu'on va avoir... Non. Et le bonus, non plus. Donc, 3 euros. Et le dernier. Allez, pour le dernier, on va faire ça bien. Je nettoie la pièce et on va gratter ça joliment. Le 7, le 36, le 26 et le 22. Le 35, non. Le 29, non. Le 25, non plus. La banque veut un 9. Est-ce qu'on va avoir quelque chose supérieur au 9? Non. Les dés. Le 3, il me faudrait un 4 pour avoir un 7. Non plus. Les lignes. Cloche, cerise, 7. Fer à cheval. Fruit, fruit. Et peut-être sur la dernière ligne non plus. Et le bonus. Où est le bonus? Il arrive, et c'est 0. Et voilà, donc on a fini ce carnet de Vegas. Vous pouvez voir ici le montant gagné. Je vous mets par là une autre vidéo de grattage de carnet et par là un lien pour vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.